Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le moment rétro. Alors j'avais oublié de brancher mon casque comme un con, enfin de brancher les haut-parleurs de mon casque, ce qui fait qu'on entend le jeu dans mon micro, mais c'est pas grave. Alors le but de Toki, qui est donc sorti sur Mega Drive, comme je vous ai dit, c'est tout simplement de sauver la princesse, comme tous les jeux de l'époque. Et oui, évidemment. Alors normalement vous verrez pas la souris au montage, même si je viens de la déplacer là tout de suite. Et donc, on est un guerrier qui a été transformé en singe, dont la belle s'est fait enlever. On doit retrouver notre apparence en battant le méchant tout en sauvant la princesse. Et oui, et on doit en faire des trucs dans la vie. Donc, quand même, hein, c'est un singe plutôt sympa puisqu'il tire. Ça aurait pu être un singe dégueulasse sans pouvoir, hein, quand même, sa transformation. Moi, je tiens à lire. Alors, j'avais déjà joué un peu au jeu, donc je suis content. J'ai choisi le jeu qui a été proposé par 8 Avenue du Geek, je crois. Je crois, hein, j'ai un doute. Et donc, bah voilà, on est là. Alors là, il faut se baisser pour voir en dessous, évidemment. Il y a des bonus un peu partout. Il y a des bonus sur certains ennemis précisément, parce que c'est toujours les mêmes ennemis qui ont les bonus. Enfin, selon la map, exactement. Et donc là, j'ai une sorte de Hadouken qui se charge. Donc, soit je peux tirer une grosse boule en attendant que ça se charge, soit des petites comme ça. Et hop, je rêve ou je l'ai raté, lui. Meurs, voilà. Alors, wow, genre, je l'ai pas touché, toi, meurs. Voilà, ça c'est chiant, ça c'est des sortes de silverfish volants très. Hop, je te saute sur la tête, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. On saute avec le 16 tonnes, évidemment 16 tonnes ce n'est que peu. Et donc. Ah, il y en avait un là. Moi je les tue tous. Hein. Ok, le singe, bah le singe il est mort. Alors attends. Là il y a quoi? Il y a ça, ok. Hop. Ça se passe. Alors, ce qu'on va faire, bah. Ah, je l'ai pas vu arriver lui. Autant pour moi. Autant pour moi, désolé, je l'ai pas vu venir, j'avoue. Hop là. Mais ça va être plutôt facile. Normalement, le niveau 2 est franchement facile. Je vous dirai le niveau que j'aime pas. Le premier boss est extrêmement simple, hein, faut savoir. C'est vraiment. C'est une douillette. Hop là, ça c'est bon. On monte le scarabée, le singe, le truc qui vole, l'autre truc qui vole, les trois boules. Voilà, ça s'est fait plaisir. Alors, les bonus sont donnés aléatoirement. C'est pas vous avez à avoir ce bonus ici ou c'est l'évolution de ça, hein, pas du tout. C'est vraiment un bonus au pif. Oh! Vous l'avez vu l'esquive ou pas? Vous l'avez vu? Eh ouais, c'est l'esquive du pro gamer. Mais bien sûr, on y croit tous. Voilà, il y a quoi en dessous? Il y a ça en tout cas. Ah bah, heureusement qu'il y avait rien. Vraiment, il y a un truc qui me gêne. Il fait trop chaud, hein. Il fait 40 degrés chez moi, vous vous rendez pas compte. Ok, donc ça pète, ça pète. Ça pète. Ah, c'est bon. Ça, c'est chiant, ça m'énerve. Voilà, le double boule, parce que notre bonus allait disparaître, comme vous avez vu, il clignotait. Hop, ça on prend. Ça, c'est des petits dinos qui crachent du feu, alors faut faire gaffe, faut les tuer assez vite. Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Ça se passe plutôt bien. Moi, j'aime bien ce jeu. Il est beaucoup moins sévère que les jeux que les gens me donnent habituellement. Oh non! Ah, désolé. Ah, je vais mettre le chrono ailleurs, par contre. Voilà. Parce que ce chrono. Ce chrono, j'en ai besoin. Hein. C'est les 20 minutes de la vidéo, tout simplement. Parce que vous voulez pas avoir trop. Hein. C'est vous qui me le dites à chaque fois. Ah, là, vous aurez pas trop, c'est sûr. Bon. Ok, sort le but. Pour l'instant, ça se passe toujours très bien. Faut que j'évite de fail le saut. Et ça devrait être assez facile comme niveau. C'est un niveau qui est pas franchement compliqué. Je l'ai foiré, mais il est pas compliqué. À chaque fois, il me fait peur ce truc. Je me dis, il va m'avoir, et pas du tout. Et en fait, non, rien du tout. Ok. Du coup, le singe, allez, on saute le singe. Allez, allez, allez. Ok, on prend les trois boules. Voilà, ça fait plaisir. Alors, ça, faut faire gaffe. Faut se mettre là, il faut. Hop! Voilà. Faut bien connaître le jeu quand même. Donc, la souris, vous devriez pas la voir normalement. Là, il va cracher du feu. Voilà, il se retourne, on le bute. C'est cool. Ça se passe comme il le faudrait. Là, il faut tirer en l'air parce qu'il y a plein de trucs volants et qu'après, il va me revenir dans la gueule. Voilà, ça c'est fait. Là, on bute le scarabée et normalement, c'est fini. Ah merde, l'oiseau. J'ai failli l'oublier lui. Là, on tire comme ça. Ah ouais, j'ai vraiment le nez qui me gratte, hein, c'est un truc de ouf. J'ai envie de le tuer. Alors,
En même temps, ça fait 30 fois que je redémarre la vidéo et je crois que j'ai compris pourquoi la vidéo d'Astérix ramait. Enfin, ramait pas, parce que je la filmais. Moi, quand je jouais, je voyais tout en normal. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des petits. Vous voyez, des petits Sarkozy, tu vois. Et. Alors, ça, c'est le boss que je vous ai dit qui est très facile, hein. Regardez. Voilà. Merde, je l'ai raté en plus. J'aurais pu faire plus vite. Là, là, faut bien se placer par contre. Alors, il faut pas que je passe trop vite, sinon je me fais buter moi-même. Hop, et là, ça part. Et voilà, c'est fini. Vraiment un boss easy, quoi. Hein. C'est le boss des familles. Voilà. Ça c'est une petite astuce si vous aviez pas l'astuce pour tuer le boss. Alors là, faut faire gaffe parce que les bots. Enfin, moi, j'aime bien les prendre, mais c'est quand même chaud de pas se faire buter quand t'as ces bots-là. Hein. Parce que ça provoque de la merde. Wow. Non! Autant pour moi. Désolé. Je ressaute partout. Je l'ai tué le singe? Non, je l'ai pas tué. Non! Oui, c'est bon, je l'ai eu. Non, mais je retombe! Mais putain. Ah, je suis grave quand même, putain. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, j'ose pas. Voilà, on va faire comme ça. On retombe. Mais au moins, on l'a eu. Parce que j'ai pas envie de sauter et de mourir bêtement. Du coup, là, c'est bon. Normalement, on est safe. Voilà, ça se passe bien du coup. Parce que ce niveau. Alors l'étoile, j'ai jamais su à quoi elle servait, j'imagine que c'est l'invincibilité. Hop, non! Je suis tôt. Bon, c'est pas grave. Hop, ici, voilà. Ça passe. J'espère que mon micro est plutôt bien mis, je vais le rapprocher pour que vous m'entendez mieux quand même. Ça, on le bute, sort les buts, sort les buts. Voilà, ça c'est fait. Non! Oh le... Ça m'énerve. Ouais, non, ça m'énerve. Non, je déconne. Non, ça passe. Faut que j'évite de fail comme un con, quoi. C'est ça qui est con. Hop! C'est ça qui est con de fail comme un con, évidemment. Un pur logique slash alien. Hop, ça je bute. Oh, tu l'as pas venir. Toi, tu viens ici. Toi, tu meurs. Non, j'ai dit tu meurs. Hop, invincibilité. Hop. Voilà, ça se passe bien. On n'a plus les bottes, mais on a ça. On monte. Ça, j'ai juste à l'éviter, mais j'ai tellement fail. J'ai tellement niqué. Voilà, j'ai niqué le game. Oh, putain. Hop, toi tu meurs, c'est bon, ça s'est passé. Ah, mais faut que j'aille là, c'est pour ça. J'étais sûr qu'il fallait que j'aille. Attendez. J'ai eu un petit moment de tresse et j'ai tiré comme un gros porc. Alors je sais qu'il faut pas que j'aille là parce qu'il y a rien. Il y a peut-être une vie, je sais plus, mais. Sinon, il y a rien. Non, même pas, vous voyez, il y a juste un mec. Donc ça, c'est fait. Le niveau est passé, tranquille. Sartex ici, la famille. Le niveau dur n'est pas encore là. Ça, c'est même un niveau plutôt simple, si je me souviens bien. Ok. Alors, qu'est-ce. Ah oui, il faut s'accrocher. Alors, je vais tirer en diagonale sans tomber, évidemment. Sinon, ce serait con, hein? Mais genre, je l'ai pas attrapé! Voilà, tu l'attrapes bien comme il faut. Voilà, ça c'est fait. Moi, je passe par là. J'avais oublié que ça crachait des flammes. J'ai failli me faire niquer comme ça. Ah, mais le. C'est moi qui étais con. C'est moi qui étais con, autant pour moi. J'ai été quand même bien con là. Hein. Hop, on reprend la boule, parce que la boule va nous être utile quand même. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Meurs toi, le piaf là-bas, là! Oh non, mais à chaque fois je la rate. Mais voilà, oh là là. Ah, ça fait plaisir ou pas? Ça fait. Nous aussi, ça fait plaisir. Hop! On saute bien comme il faut tout droit, parce que sinon on se fait tuer là, on tire, parce que sinon, voilà, ça passe. Je l'ai pas touché! J'ai pas touché! Là, on va là et on tire en haut. Voilà. Voilà, ça c'est fait. C'est ma technique, hein, vraiment. Alors, faut que j'aille là. Voilà, je prends ça. Oh, t'as cru que t'allais m'avoir, poteau? Mais pas du tout. Je tire en haut, on sait jamais. Hein, la technique basique, évidemment. Hop, vous voyez, il y a un piaf. Donc, j'ai bien fait. Alors, là, on saute, on saute, on tire au cas où. Et c'est bon, c'est la fin du level. Donc, je vous ai dit, pas très dur. Et je crois que c'est là le level que j'aime pas. Ouais, je crois que c'est là. J'ai un doute, mais je crois que c'est celui-ci. Je sais qu'il y a un level où à un moment, en fait, les plateformes tombent, il y a des pics en bas et en haut. Et là, genre, la plateforme, elle a un demi centimètre des deux pics. Donc c'est assez rude, hein, on peut le dire.
Donc, à moins que j'ai pas trouvé la technique, tout simplement, ce qui est possible. Ce qui est possible. Hop, ça on prend, on va tout en haut. Là, on esquive ça en sautant assez tôt parce que sinon, on est niqué. Hop, non! Non! Non, ça, c'est my bad. My bad. Autant pour moi, hein, comme dirait la plupart. Hop, ça. Non, vite, vite! On peut l'attraper normalement. Voilà, parce que j'ai la flemme d'attendre. Hein. Faut pas abuser. C'est badass. Ok. Du coup, bah, on va attendre. On attend. Ça, c'est chiant. Moi, j'aime pas les jeux où faut attendre comme ça. Non, moi, je veux. Alors, les fruits, j'en ai 50, je vois, je sais pas. Enfin, 49 exactement. Je vois pas du tout à quoi ça sert. Je vais pas vous mentir. Du coup, je vais aller par là. Toi, tu meurs. Hop, c'est bon. On attend que la plateforme réapparaisse. Elle est réapparue. Vous avez vu cette synchro magnifique. Ça, on s'en tape. On va pas se prendre la tête à prendre ça. Hop, ça tombe. On attend, ça revient, on saute ici, on fait ça, hop, on tue le... Ah, lui, c'est... Hop, voilà. Non, parce que lui et ses flammes, il me fait chier, mais alors, il me fait chier. Voilà, c'est ici. Alors là, j'ai pas compris. Ah, très bien! C'est une feinte! Ah oui! Alors, si c'était du skill, non, c'était pas du tout au pif. Non, je vois pas de quoi vous parler. Vraiment, moi, je trouve que c'était du skill, hein. Hop, esquive, on sait jamais, j'avais peur de pas être assez haut. Ça se passe plutôt bien. What, qu'est-ce que c'est que cette grosse merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Wow! Il m'a enculé? Attends, mais j'ai pas compris ce qu'il fallait faire là. J'ai dû rater un truc là. Non, vraiment là. Hop! Non plus! Mais faut que je fasse quoi? C'est chaud! Je pense qu'il faut que j'aille là, genre. Que j'aille là et que je parte direct dès qu'il saute. Voilà! Il a déjà presque plus de vie, regardez. Il va avancer, reculer. Voilà, et là, on défonce. Oh, je suis trop bon. J'ai compris. Oh, je suis trop doué. Non, vraiment. Ah, voilà. Ça se passe plutôt bien, stage 3. Ah, ça, je me souvenais pas du tout, tu vois. Ça, vraiment, là, je. Ok, donc eux, ils sont indestructibles. Eux, ils meurent. Bah, c'est cool. Waouh, ça a l'air de péter quand même. Ça a l'air d'être des petites mines, les petits poissons là. Alors, par contre, c'est chiant pour se repérer. Hein. Genre, je vois pas du tout où je dois aller. Hein. Meurs, toi! Au lieu de me faire chier là. M'en fous, je suis invincible. T'emmerdes. Je passe comme un bonhomme maintenant. Et quoi? Toi, tu meurs, on sait jamais. Parce que là, l'invincibilité, je sens qu'elle est pas tout à fait là, là. Hein. Et la fin du niveau. Oh, trop rapide. Vous avez vu cette flèche et la fusée? C'est le. Oh là là, je suis trop bon. Vraiment. Du skill, quoi. Alors, qu'est-ce que je dois faire déjà? Wow. Toi, tu te calmes. Toi, tu. Une tortue! J'ai tué la tortue. Autant pour moi. Fallait peut-être pas. Ok, ça. Wow! Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Faut que je fasse quoi? Wow, mais qu'est-ce qu'elle me veut, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tombe! Tombe! J'ai pas compris. Vraiment, là, je. J'ai pas compris. Toi, tu meurs! Il va me chase après, je le sens. Hop, je suis passé. Je savais pas du tout ce qu'il fallait que je passe là, mais je suis passé. Et ça, c'est cool! Et du coup, alors, on va se faire plaisir. Oh, la pauvre petite tortue. Oh non, la pauvre toute petite tortue. Alors là, je suis passé là, ça c'est cool. J'ai l'impression que j'arrive à la fin. Je prends le fruit, on sait jamais. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon, ça peut faire plaisir. Non, mais comment un gros singe comme ça, juste en touchant le poisson, peut mourir? Il l'a touché, mesquine. Ah là, je vous jure. Tu vois, le gros à la rigueur, mais pas le petit poisson. Je suis pas d'accord. Je n'approuve pas du tout. Toi, toi, je t'en. Ah oui, très bien, il y en avait deux, donc on peut les tuer en fait. Je n'avais rien compris en fait. Hop, tu te relèves, tu te relèves! Oh là là, c'est dingue ça, faut leur ordonner des choses comme ça. Merde! Toi, tu meurs. Je vais me servir de ce lance-flamme, il est trop cool. Oh, la petite tortue! Je suis sûr que je suis obligé de la tuer parce qu'elle me bute, mais ça me fait du mal de tuer une petite tortue quand même. Hein. La pauvre petite tortue. La tortue des familles. Et c'est la sortie. C'était trop facile.
Alors. C'était vraiment la mort de merde. Alors, sur ce coup-là. Bah toi tu meurs, tu m'emmerdes. Toi pff, tu meurs aussi, tu m'emmerdes, mais bon, j'ai pas envie de te chase. Alors ça c'est une mine, ça c'est un poisson, tu meurs le poisson. J'imagine trop une mine cachée derrière un pylône en mode gros crevard. J'avoue que ça me stresse un peu. Très bien, je suis allé ici pour rien du tout. On peut le dire. Voilà, c'était de la merde. Il fallait finalement descendre. J'imagine qu'il faut aller par là. Ici, je peux rien faire, donc c'est par là. Et tout, 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 tout. C'est un labyrinthe, le truc. Tu avances, tu fais oui, c'est peut-être par là. J'ai. Ah, c'est. Je l'ai buté. Hein. Ça me sert à rien, mais je l'ai buté. Hop! C'est chiant comme niveau. Ah, hein. Oh, c'est chiant comme pas possible. J'ai l'impression de faire un labyrinthe, ça m'ennuie. Alors j'espère que j'ai tué les tortues en tirant et en avançant comme un gros bourrin dans ma stratégie du gros connard de base, hein, évidemment. Alors là, on frôle le haut, évidemment. On est. Non! Mais j'allais vers le haut! Mais non! Oh non! Oh, vas-y! Non, ça se fait pas, hein. Oh là, les chiens. Oh non, faut tout recommencer. Faut bien remonter, quoi. C'est un truc de ouf. Toi, tu meurs. Comme ça, tu me feras pas chier après. Ah, pour tir devant, on fait la mitraillette. Lui, va passer, on le bute. Eh ouais, mon gars, tu l'as pas vu venir, celle-là. Hop, ça, on le bute, 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 on le bute. Voilà, j'étais comme ça. Pourquoi tout à l'heure, je... non, j'ai vraiment pas compris, alors. Je sais pas pourquoi je suis mort, vraiment. Hop, là on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on frôle bien le haut, on frôle bien le haut, voilà. Évidemment, c'est logique comme sortie ça pour vous. Ça là pour vous c'était une sortie normale ça. Très bien, autant pour moi. Moi j'ai cru que les. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ça va être hard quand même. On va mitrailler, on va mitrailler. Hop, hop, voilà. Moi je te défends. Moi je te dev, je te dis. Ah par contre il sent pas les coups pendant ce temps-là le salaud. Mais t'es mort. Voilà. Trop facile les boss de jeu, vraiment. Ils sont tous morts les singes. Y'a quoi? Tu vas faire quoi? Je suis Toki, poteau. Blé! Stage 3 terminé. Voilà. Ah on est au stage 4 et ça c'est cool. Ah on revient à pied, j'aime ça. Par contre les flammes j'aime pas, alors tu meurs. Voilà, merci. Il y a quoi en dessous? Il y a l'air d'y avoir un boing. Alors on fait le boing. C'est pour prendre les tirs, évidemment. Là, pff, bah là il est pas dangereux. Lui il est dangereux. Lui il est très dangereux. What? What the f... La vitesse de l'araignée, miskine! Par contre, les sauts de l'ange, moi je supporte pas ça. Hein. Genre, moi ça m'énerve. Alors vous arrêtez tout de suite. J'ai raté le bonus. Autant pour moi. C'est pas grave, on avance. Eh. Je joue plutôt bien. Je suis plutôt content de moi. Voilà, je tenais à le dire. Alors par contre, à quoi sert ce truc? Très bien, ça sert juste à prendre un bonus. Le Hadouken! J'adore le Hadouken. Ah, c'est vraiment bien comme bonus. Au cas où. Ah! Position faite! J'ai eu peur. Si, vraiment, genre j'ai cru que j'allais me faire niquer. Y a quoi en bas? Allez, on saute. C'est bon, ça passe. Des fois, je me dis, on saute, ça va être la merde, tu vois. Mais là. Position fétale! Tu vas faire quoi, mon gars? La position fétale, elle peut tout vaincre. Genre, non, on a rien à foutre de ta boule. Hop, et c'est l'exit, et voilà. Encore une fin de niveau de génie. Je crois que je viens de me niquer la sortie. Mais c'est pas grave. Je pense que si je saute just, à chaque fois ça passe. Exactement. Hop, on le bute. On le bute, j'ai dit. J'ai pas dit tu vas plus vite. Wow! Très bien! On se calme ici, hein. Ça fait. Ah! Oh les chiens!
Et bah de toute façon, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à proposer un jeu rétro que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou un défi, tout simplement, comme le Yoshi, finir le premier monde en 20 minutes. En tout cas, voilà, c'est fini et à la prochaine. Salut!